Wesh, on se retrouve aujourd'hui pour un 19e épisode de la bibliothèque et pour cet épisode je me suis attaqué à un gros poisson puisqu'on va parler ensemble de la carrière de Goichi Suda. Alors il est bon de le rappeler, Goichi c'est son prénom et Suda c'est son nom de famille puisqu'on a tendance à l'appeler Suda tout le temps. Et son pseudonyme Suda 51, ça vient du fait que le 5 peut se prononcer Go en japonais et le 1 peut se prononcer Ichi, donc du coup Goichi 5151, astucieux n'est-ce pas ? Goichi Suda, il est né le 2 janvier 1968 à Ueda, dans la préfecture de Nagano, et il a donc 51 ans au moment où sort cette vidéo, c'était vraiment pas fait exprès. Il a été élevé par sa mère célibataire parce que son père va se barrer alors qu'il était tout bébé, et c'est comme ça que, alors qu'il est né Goichi Kobayashi, il va devenir Goichi Suda à l'âge de 7 ans après que sa mère ait fait les procédures pour qu'ils aient le même nom de famille. La situation familiale un peu complexe des Suda va les amener à déménager assez souvent, à être parfois même hébergés par des membres de leur famille, parce que bah, la mère de Goichi fait beaucoup de taf alimentaire, elle prend les boulots qui viennent. Goichi du coup quand il va rentrer de l'école, très souvent il va être tout seul, il va se coucher seul le soir chez lui. Du fait de ce contexte, bien qu'il ait jamais galéré à se faire des potes malgré les nombreux déménagements, chez lui par contre il va avoir une enfance très solitaire qui va passer en grande partie devant la télévision. Et c'est devant le petit écran que Goichi va se passionner de façon bien bien vénère pour le catch après avoir maté un match de Tiger Mask. Tiger Mask à la base c'était le personnage principal du manga éponyme, mais le délire a été poussé tellement loin qu'un catcheur japonais, en l'occurrence Satoru Sayama, est devenu Tiger Mask dans la vraie vie. Goichi lisait le manga mais il était pas plus fan que ça de catch, voir Tiger Mask en vrai ça a changé sa vie et sa vision de ce sport à jamais. Le catch c'est devenu un thème récurrent dans les jeux de Suda Goichi. Au lycée, Goichi va se rebeller complètement, il va se mettre à fumer, à parier au mahjong, à n'en faire qu'à sa tête. Il était déjà pas très fan d'école jusqu'ici, mais vraiment à partir du lycée il va plus rien foutre. Passé cette étape, il va s'inscrire dans une université un peu au pif à Tokyo pour pouvoir fuir Nagano. Et il va se retrouver dans la galère la plus totale, il va vivre chez un pote et il va avoir des gros problèmes d'argent. D'autant qu'en plus, très vite à l'université, il va même plus y aller, il va sécher les cours et plus jamais y mettre les pieds. Dans la même période, il va rencontrer une fille qui va faire chavirer son cœur et qui, comme lui, fuit un petit peu l'université, sort un peu du carcan social japonais tout tracé, et ensemble ils vont emménager alors qu'ils ont tout juste 18 ans. Ils vont se mettre à faire une tonne de boulot, d'abord assez merdique, puis après de plus en plus enrichissant. Il va devenir en quelque sorte directeur artistique pour une petite marque de sac à main japonais, et il va s'intéresser au graphisme et tomber amoureux du travail de Peter Saville. Alors même si le nom vous dit rien, vous avez sûrement déjà vu un de ses boulots, puisqu'il a entre autres été le graphiste de la pochette de l'album Unknown Pleasure de Joy Division, qui est très connu. Parmi les autres boulots qu'il a fait, il va aussi bosser sur la campagne marketing de Virtua Racing de Sega. Il va rencontrer Yu Suzuki et va même avoir l'opportunité de tester le jeu dans les locaux très secrets d'AM2, et il va se prendre une grande claque. Goichi il rêve de travailler dans le milieu, mais il a un gros complexe d'infériorité puisqu'il a aucune formation et il a aucune connaissance, et les annonces elles martèlent sans arrêt qu'il y a nécessité d'avoir soit de l'expérience, soit des diplômes. Et finalement, après une longue période à travailler dans les pompes funèbres et alors qu'il s'apprêtait à faire toute sa carrière dans cette voie, sa femme elle va le pousser une ultime fois et elle va lui dire « Vas-y, essaye d'aller au bout de tes rêves et puis si ça marche pas, tant pis, mais au moins t'auras essayé. » À cette époque, il y a Human Entertainment qui va déposer une annonce en spécifiant qu'il n'y a pas de besoin
d'expérience particulier, que tout le monde peut venir déposer sa candidature. Il va le faire et il va obtenir un entretien chez Human Entertainment. Et là, incroyable pirouette du destin comme on aime dans les bibliothèques, Goichi va pas être rappelé par Human suite à son entretien. Ils vont même pas lui dire oui ou non, ils vont pas le rappeler du tout, et ça va pas trop plaire à la femme de Suda qui va lui dire « Écoute, ils ont même pas pris la peine de te rappeler, donc au moins pour que tu sois fixé et que tu puisses avancer dans la vie, appelle-les, et même s'ils disent non, au moins on aura un nom sûr et certain, et basta. » Il va suivre son conseil, il va passer un coup de fil à Human, et là les mecs un petit peu bizarres vont lui dire « Ah oui oui, on voit qui vous êtes, est-ce qu'il y a moyen que vous repassiez une deuxième fois pour un deuxième entretien ?» En fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour même où Suda a appelé, il y avait Daisuke Asako qui était game designer sur la série Fire Pro Wrestling, donc un jeu de catch, qui venait tout juste de démissionner. Et en fait, au moment où Suda il a appelé, les mecs se sont dit « Ah mais oui, c'est vrai, lui, durant son entretien, il avait parlé de catch, donc il y a peut-être moyen. » En fait, le mec n'avait pas été retenu du tout, et la seule et unique raison pour laquelle il a été recontacté, c'est parce que sa femme a foutu un coup de pression du coup à Suda pour qu'il appelle. Il a appelé ce jour précis, au même moment où Daisuke Asako avait démissionné, et du coup, pouf, deuxième entretien. C'est incroyable cette histoire. Et donc finalement, il va décrocher le poste suite à ce second entretien. Il va être placé à la tête d'une équipe de 5 personnes. Aujourd'hui, ça paraît surréaliste, hein, ce scénario. Alors, monsieur Merguez, je vais pas vous mentir, votre CV est pas jojo du tout, votre tenue vestimentaire est plutôt bizarre. Qu'est-ce qui justifierait que vous rejoigniez l'aventure ? Clifford, Clifford ! J'ai trouvé le réalisateur du nouveau Jet Set Radio ! Le premier jeu sur lequel Suda va bosser, c'est Super Fire Pro Wrestling 3 Final Bout, qui est sorti sur Super Famicom, donc uniquement au Japon. Donc rappelons-le, hein, Suda avait été embauché parce qu'il était fan de catch, et il va parfaitement remplir sa mission, puisque toutes les informations qu'il avait glanées dans des magazines ou des vidéos pendant tant d'années vont être très utiles à l'équipe de développement. Il va quand même subir un petit syndrome de l'imposteur en continu, et c'est normal, puisqu'il est entouré de mecs qui ont fait des études pour faire le boulot qu'ils font, mais dans l'ensemble ça va très bien se passer, parce que déjà à l'époque, Suda avait un certain charisme, et il s'est très vite attiré la sympathie de ses pairs. Le jeu va être un franc succès qui va permettre à Suda d'acquérir la crédibilité qui lui manquait au sein de Human, et donc tout naturellement il va être placé sur une suite qui s'appellera Fire Pro Wrestling Special. Au-delà des qualités ludiques du titre que personne ne remet en cause, Special étant d'ailleurs considéré pour beaucoup comme un des meilleurs épisodes de la série, le jeu il a fait sensation pour une raison bien précise. Avec cet épisode, Suda a fait preuve de beaucoup d'audace puisqu'il a dépoussiéré une formule bien rodée en ajoutant une trame scénaristique. Cette dernière raconte l'histoire de Morio Smith, qui est un catcheur cherchant à atteindre le sommet, mais qui est malheureusement victime de dépression, et cette dernière le mènera malgré la victoire jusqu'au suicide, et c'est cet acte qui marque la conclusion de l'histoire. Et vraiment, c'est un excellent choix de la part de Suda d'avoir voulu montrer que tout n'est pas tout noir ou tout blanc, et que même l'accomplissement d'un rêve, bah, ça soigne pas la dépression. Malheureusement, les joueurs, ils vont pas le voir de cet œil, et il va se recevoir un flot de merde monumental. En 95, il va prendre la tête du projet Twilight Syndrome après que le réalisateur du jeu soit barré en plein milieu du développement, encore une fois. Et donc Suda va se retrouver à jongler avec cette patate chaude qu'il a pas vraiment voulu, et en plus, ses supérieurs vont lui mettre une pression monstre pour que le jeu soit fini dans des délais intenables. Il va malgré tout y parvenir, et du coup, satisfait de son boulot, ses boss vont lui proposer de bosser sur une suite qui s'appelle Moonlight Syndrome, où cette fois il a écrit l'intégralité du scénario, puisque c'était pas le cas sur Twilight Syndrome. Ce deuxième jeu, ce sera un projet nettement plus personnel pour Suda, on y perçoit par exemple certaines de ses obsessions, comme ce culte qu'il voue à la lune, puisque l'astre apparaîtra ensuite dans quasiment tous ses jeux. Mais le truc c'est que Suda en a marre de faire des suites, il a envie de faire autre chose, sauf que c'est pas du tout dans les projets de Human, et il va donc quitter l'entreprise. Il va donc partir en quête de liberté, et cette liberté il va la trouver chez ASCII Entertainment. Là où ça va prendre une tournure inattendue, c'est que Suda pensait bosser pour ASCII Entertainment, sauf que eux, leur but, c'était de faire en quelque sorte un label indé, un peu comme ce que fait Devolver aujourd'hui, donc d'éditer et de soutenir des petits indépendants, des petites entreprises. Suda, il se retrouve donc à devoir créer une entreprise pour travailler avec ASCII, et c'est comme ça que va naître Grasshopper Manufacture. Dans ce contrat avec ASCII, ils bénéficient quand même d'un gros confort, parce que eux s'occupent de toute la partie édition,
et donc offre une sécurité financière grâce au Père Manufacture. Il y a une ambiance assez candide qui règne à cette période du coup chez Grasshopper, puisque Suda et sa petite équipe, ils font vraiment ce qu'ils veulent. L'audience touchée, c'est pas un truc qui les préoccupe, ils sont juste là pour mettre à profit leur créativité. Ils ont que des avantages et quasiment pas d'inconvénients, c'est vraiment le rêve. Le premier jeu de Grasshopper Manufacture, ça va être The Silver Case, qui est sorti en 1999 sur PlayStation uniquement au Japon. La version que j'ai là, c'est un remake qui est sorti sur PlayStation 4 chez nous, mais je vais l'évoquer un petit peu plus tard. Et en fait, The Silver Case, c'est le socle de toute une partie du lore Suda qui s'appelle Kill the Past. Et d'ailleurs, le prologue du jeu, c'est l'épilogue de Moonlight Syndrome, donc les points se rattachent en quelque sorte. C'est difficile de résumer l'histoire de The Silver Case, même dans ses grandes lignes, mais en gros, on suit les tribulations de deux personnages. Le premier porte le nom de notre choix et il rejoint une équipe de détectives spécialisée dans les crimes hardcore, après que lui et son équipe aient tenté de capturer Kamui Uehara, un meurtrier reconnu qui s'est évadé d'hôpital psychiatrique. Le deuxième protagoniste, c'est Tokyo Morishima, un reporter un peu paumé qui traque le scoop en enquêtant sur Kamui lui aussi. The Silver Case, c'est un jeu extraordinaire, j'avais jamais fait de visual novel avant lui, c'est un genre qui me faisait peur et c'est finalement passé tout seul. L'ambiance, l'incroyable écriture des personnages, l'incroyable esthétique du jeu où chaque détail compte, des artworks à l'interface en mouvement perpétuel, qui est d'ailleurs un vestige de son admiration pour le travail de sa ville, la musique de Masafumi Takada aussi. J'en glisse une pendant que j'y pense pour le groupe de traduction Project Silver FR, qui a fait un boulot remarquable, toujours en bénévolat total sur leur temps libre, pour faire une traduction française à The Silver Case, parce qu'il n'en avait jamais eu là, même la réédition PS4 et PC sortie officielle en anglais. Dans la foulée de The Silver Case, ivre de créativité, toujours sans contrainte, Grasshopper va bosser sur Flower, Sun and Rain, qui est sorti en 2001 sur PlayStation 2, toujours au Japon exclusivement. Ça, c'est encore une fois une réédition qui est sortie sur DS, du coup, aux alentours de 2008-2009, si je dis pas de bêtises. Flower, Sun and Rain, c'est le premier jeu de Suda où le personnage peut se déplacer librement dans un environnement en 3D. Ce personnage, c'est un détective qui a été appelé sur l'île de l'espace pour empêcher une personne de faire exploser un avion. Donc on sait pas qui est cette personne et quand doit exploser l'avion, et c'est comme ça que démarre le jeu. La première chose qui frappe avec Flower, Sun and Rain, c'est son changement radical d'ambiance comparé à l'anxiogène The Silver Case, qui était centré sur l'atmosphère écrasante d'une ville. Suda le dit lui-même, hein, il avait besoin de dépaysement après The Silver Case qui l'avait marqué, il avait besoin d'un petit peu de couleur. Il évoque d'ailleurs le film de mafieux Omitsubame Jo no Kiseki, ou The Miracle of Joe Petrol en anglais, sorti en 1984 et qui se déroule au soleil entre Okinawa et les Philippines. Et le drame, c'est que ASCII Entertainment va se retirer du jeu vidéo en plein milieu du développement de Flower, Sun and Rain. Donc le jeu va quand même sortir, mais suite à ça, Grasshopper va se retrouver complètement démuni, et là, cette fois-ci, il va falloir penser au fric. Suda, il commence à transpirer, il comprend que les jeux d'auteur pour un public de niche, ça va pas leur permettre de survivre très longtemps. Il va donc enfiler son petit costard et il va faire le tour des éditeurs pour leur vendre des idées, un peu comme il faisait quand il était plus jeune, en faisant du porte-à-porte et compagnie. Et c'est comme ça qu'il va réussir à décrocher un contrat pour que Grasshopper bosse sur les deux Shining Soul qui étaient sortis sur GBA. Comme lui, il a la tête dans le business, c'est pas lui qui va réaliser les jeux, c'est Akira Ueda, un ancien de chez Square, et ce dernier va d'ailleurs aussi réaliser Michigan, Report from Hell, sur lequel Suda sera davantage impliqué. Michigan, c'est un jeu horrifique dans lequel on y incarne un caméraman qui doit suivre des présentatrices de JT envoyées sur place pour traiter de sujets paranormaux. La particularité du jeu, elle vient du fait que tout se passe par le biais de la caméra façon found footage, et selon les différents plans qu'il réalise, le joueur se voit octroyer différents bonus. Par exemple, si tu passes ton temps à faire des gros plans sur le cul de la présentatrice, et tu fais monter ta jauge d'érotisme qui apparaît en haut de l'écran. Michigan sera le premier jeu de Grasshopper à sortir des frontières nippones, en évitant toutefois les États-Unis pour des raisons évidentes. Les États-Unis par contre vont avoir le droit au jeu qui va faire connaître Suda 51 dans le monde entier, Killer 7, qui est sorti en 2005 sur GameCube et PlayStation 2. Alors il est sorti un an après Michigan, mais il a eu un développement assez long qui a duré en tout et pour tout un petit peu plus de 2 ans. Suda a bossé sur les deux en parallèle, mais il était bien sûr plus impliqué sur Killer 7, où il était réalisateur, que sur Michigan, où il était producteur. Suda, avec ce projet, il va être un moment crucial de sa carrière. Il le sait, il flippe, il va se remettre perpétuellement en question pour pas foirer son coup. D'un point de vue créatif, ça va être le moment le plus intense de sa carrière. Lui qui était déjà un gros bosseur, là il va enchaîner les nuits blanches. Il faisait un truc que je trouve assez dingue, c'est qu'une fois par mois, il devait présenter le jeu à Capcom. Donc du coup, il devait se taper 3 heures de train pour faire Tokyo-Osaka, parce que Capcom était à Osaka. Et ce qu'il faisait en fait, c'est qu'il bossait jusqu'à 3 heures du mat sur la démo du jeu qu'il allait présenter pour la peaufiner. Il la gravait, parce que du coup, à l'époque, il fallait graver les démos, c'était pas sur une clé USB. Il prenait sa petite démo dans son sac, il prenait le train à 6 heures du mat,
Il arrivait à la réunion à 9h, donc il avait dormi vite fait dans le train entre temps. Il prenait toutes les observations de Capcom et il repartait dans l'autre sens pour retourner taffer. C'est complètement ouf. Mikami, il a beaucoup contribué à ce projet auquel il tenait particulièrement et il va donner de nombreux conseils à Asuda en plus de l'épauler sur le scénario. Parmi les conseils qu'il lui a donné, il y avait celui de rester fidèle à sa ligne directrice coûte que coûte et d'aller jusqu'au bout de ses idées. Il en résulte un jeu qui laisse définitivement pas indifférent et qu'on peut difficilement placer dans une case. Pour expliquer rapidement le speech, on y incarne une bande de 7 assassins qui sont tous liés à un certain Harman Smith. Le nom Smith, il est pas là par hasard, c'était déjà le nom de famille de Morio, le héros de Super Fire Pro Wrestling Special, et il est inspiré par un des groupes préférés de Suda qui est, vous l'aurez sûrement deviné, les Smiths. Dans Killer 7, chaque membre a ses spécificités, tant bien au niveau de l'arsenal que des pouvoirs, et on peut switcher entre les différents personnages à loisir en passant par le menu pause ou par une télévision. Ah. Qui est-ce que je vais incarner aujourd'hui ? Parfait. Même si Killer 7 a pas été un gros succès commercial, ça a même pas été un succès commercial du tout. Comme d'habitude, Suda va réussir à attirer l'attention avec son jeu et il va acquérir une renommée internationale. Et c'est amplement mérité, hein. Killer 7, c'est un concentré de Suda dans le positif comme dans le négatif d'ailleurs, parce que même si comme sur Flower Sennen Rain, j'ai senti que le jeu galérait un peu à se renouveler et semblait un peu long sur la fin, à côté de ça, il a une esthétique impeccable, il a un script qui surprend par ses directions vraiment radicales, il y a un côté méta qui surgit intelligemment, des clins d'œil aux anciennes productions de Grasshopper qui font sourire, il y a un gameplay simple mais prenant, et puis enfin il y a une magnifique bande-son toujours signée par Masafumi Takada. Fort de cette réputation fraîchement acquise, Suda il a toutes les cartes en main pour aller frapper à de plus nombreuses portes, hein, du coup même en dehors du Japon. Suite à ce démarchage, le premier jeu qui va sortir sur les trois marchés principaux, c'est le jeu auquel on pense directement quand on pense à Suda 51, No More Heroes, que j'ai là en version PS3 mais qui est sorti initialement lui et sa suite sur Wii, parce que Suda voulait profiter du motion gaming, au grand dam d'ailleurs de ses éditeurs, puisque eux voyaient plutôt le jeu sortir sur 360 ou PS3, du fait d'un marché un petit peu plus adulte. Au premier abord, No More Heroes, c'est un jeu très bête et un peu méchant. Travis, c'est un cliché d'otaku, il recharge son sabre en faisant mine de se branler, un sort qui est d'ailleurs aussi imposé aux joueurs. Mais au-delà de ce simple constat, c'est un titre vraiment très important pour Suda, c'est un jeu qui pousse encore plus loin le délire d'introspection. Travis Touchdown, qui est d'ailleurs inspiré par Johnny Knoxville de Jackass, il est comme beaucoup de protagonistes des jeux de Suda, un mec perdu au milieu des autres, hors du carcan social. Un loser amené à faire de grandes choses, on peut y voir pour Suda une façon de dépeindre ses premières années dans la vie d'adulte, quand il était seul à Tokyo sans le moindre diplôme. A noter que No More Heroes, c'est la concrétisation d'une sorte d'arc dans la carrière de Suda, puisque le virage 13 actions, il est pas aussi soudain qu'on pourrait le croire. Entre ses deux plus grands succès, donc Killer 7 et No More Heroes, Suda il a été le réalisateur sur deux jeux PS2. Le premier c'est Blood Plus One Night Kiss et le second c'était Samurai Champloo Sidetracked, qui était du coup une adaptation en jeu vidéo de l'animé de Watanabe. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, No More Heroes a eu une suite qui est sortie en 2010 sur Wii, seulement cette fois-ci, Suda va plus être réalisateur, il va être producteur, donc il va s'éloigner un tout petit peu du développement. No More Heroes 1, c'est pas le dernier jeu où il a été réalisateur, puisqu'il avait aussi bossé, c'est assez surprenant, sur Project Zero 4, où là il était réalisateur, mais Project Zero 4 est du coup le dernier jeu pendant de très nombreuses années où Suda a été réalisateur sur un projet. Le problème c'est que Grasshopper et Suda 51 sont en train d'entrer dans une espèce de cercle vicieux qui est dû au fait qu'aucun jeu du studio n'a connu de succès tonitruant. Il y a eu du succès d'estime, hein, bien sûr, mais ça, les éditeurs, ils s'en tapent. Ce qu'ils veulent, c'est des ventes. Et donc, Suda va devoir se retrousser les manches pour réussir à signer des contrats avec des éditeurs de plus en plus frileux. Et il va se créer une sorte de compromis, c'est l'application du style Suda 51 sur les jeux de Grasshopper. En gros, donc, cette patte graphique un petit peu façon cel-shading et ce style d'écriture un petit peu subversif, n'est-ce pas ? Pour que tous les joueurs qui ont connu No More Heroes et Killer 7 reconnaissent directement la patte du truc et se disent « Ah bah c'est fait par le mec qui a fait les jeux auxquels j'ai joué auparavant ». Parmi les jeux qui ont hérité du style Suda 51, on peut bien évidemment citer Shadow of the Dane, cette chimère difforme éditée par Electronic Arts. Toutes les mécaniques de gameplay, de game design, etc., c'est pas son taf du tout. Et il le dit, hein, moi j'ai apprécié travailler sur le jeu, j'ai apprécié appliquer mon style Suda 51, mais voilà, j'ai fait que ça. Sauf que passé la promo, Suda parle avec le recul d'un Electronic Arts extrêmement relou,
qui lui a refusé 4 scénarios différents, donc il a vraiment été bridé. Mikami, de son côté, il a surtout œuvré comme soutien à Suda. Il dit lui-même qu'il consultait le projet que 2 à 3 fois par mois, puis quand ce dernier il était vraiment à l'aise et qu'il avait pris ses marques, ils échangeaient une fois par mois. Il a ensuite participé à la promo du jeu avec Suda 51, puisque le jeu était marketé ainsi, hein, c'était le nouveau jeu de Shinji Mikami et de Suda 51. Alors attention, hein, moi je remets pas du tout en cause les qualités inhérentes à Shadow of the Damned, d'ailleurs le jeu j'y ai même pas joué, donc du coup qui suis-je pour juger, mais faut quand même avouer que c'est un des plus bels exemples de dérive de la starification des créateurs japonais. Cette période où Suda va appliquer le style 51 sur les jeux grasshopper va s'étendre dans le temps à des degrés plus ou moins élevés. D'abord en 2012 avec Lollipop Chainsaw, où Suda garde un très bon souvenir du développement parce qu'il avait pu bosser avec James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie. Il a ensuite bossé sur le scénario de Killer is Dead réalisé par Hideo Kishin, qui est aussi le réalisateur de Let It Die. Donc Suda à cette période y gratte, hein. Il affine sa plume et il est reconnu dans la profession puisqu'il est invité à participer à différents projets. Parmi eux on pourrait citer Snatcher, qui est un préquel au format audio du Snatcher de Kojima, ou encore sa participation au projet Short Piece dans lequel il avait écrit le scénario du jeu Ranko Tsukigime's Longest Day. Et cette période un petit peu bizarre, elle va se terminer en 2016, parce que lui qui avait créé l'univers étendu, l'idéologie Kill the Past, il va soudainement se mettre à retourner à ses premiers amours, retourner aux sources de son travail. D'abord avec le remake de The Silver Case, que j'ai évoqué tout à l'heure, donc qui est sorti sur PlayStation 4 et PC, et qui a eu le droit en passant à une sortie internationale, mais aussi avec le remake de The 25th Ward, The Silver Case, qui est sorti en 2018, et qui se passe chronologiquement après The Silver Case et Flower Sun and Rain, et encore une fois, c'est un jeu oufissime. Le remake de cet épisode n'est pas anodin, puisqu'initialement, le jeu était sorti uniquement sur les téléphones portables japonais dans les années 2000, et avait de ce fait disparu de lui-même en étant incompatible avec les téléphones plus récents. Cette magnifique refonte, elle a donc permis aux joueurs hors du Japon, mais aussi aux japonais eux-mêmes, de découvrir cet épisode. Le remake, il contient qui plus est des chapitres supplémentaires par rapport au jeu de base, qui rattachent davantage le jeu au lore que Suda a construit à travers les années, et il a en plus une très belle bande originale qui nous conditionne dans l'ambiance si particulière du 25e arrondissement. Cette attache au passé, elle va atteindre son apogée avec la sortie de Travis Strikes Again sur Switch, qui est sorti en 2019. Et la symbolique, elle est assez forte, puisque non content de redonner vie au personnage de Travis Touchdown pour la première fois depuis 2010, c'est aussi le premier jeu sur lequel il est réalisateur depuis 2008. Il en résulte un jeu qui fait sans arrêt allusion aux anciennes productions Grasshopper, particulièrement dans ses interludes qui se déroulent comme des mini-visual novels, et où beaucoup de personnages des anciens jeux apparaissent et discutent avec Travis. En parlant de clin d'œil, on peut aussi remarquer que Travis joue à Hotline Miami dans la cinématique d'intro. Selon Suda, c'est ce dernier et d'autres jeux qui viennent de la vague indé qui est tombée pendant toute la décennie qui lui ont fait redécouvrir le jeu vidéo. Il a comme compris qu'il n'était pas obligé de se plier aux exigences des éditeurs avec qui il s'était beaucoup trop battu et qui pouvait faire ce qu'il désirait. D'ailleurs, on peut aussi voir que Travis joue à Ape Out dans le trailer de No More Heroes 3. Et je trouve ça cool ces marques d'affection venant d'un homme qui a fait perdurer un studio indépendant pendant plus de 15 ans. Parce que ouais, il est important de le rappeler, aujourd'hui Grasshopper est plus vraiment indépendant puisqu'ils ont été rachetés en 2013 par Gung Ho Online Entertainment. Et pour finir, comme pour boucler la boucle, comme pour embrasser on ne peut plus son passé, Suda il a été amené à écrire la suite de l'histoire de Morio Smith, le catcheur suicide de Super Fire Pro Wrestling, à travers celle de son fils dans un DLC du jeu Fire Pro Wrestling World qui est sorti sur PS4. C'est tout pour ce 19e épisode de la bibliothèque. Alors rapidement, parce que j'ai beaucoup de trucs à vous conseiller, donc je vais faire ça un peu comme un goret pour pas faire des cuts un peu dégueulasses. Le premier truc que j'ai à vous conseiller sans rien faire tomber, c'est Les Grands Noms du Jeu Vidéo numéro 8, édité chez Pix & Love et écrit par Mehdi Debabi Zourgani et Florent Gorge. Alors Mehdi, qu'on avait reçu dans une mixtape de Merugezu et qui nous avait parlé justement de sa rencontre avec Suda, parce qu'il est vraiment fan de ces jeux. Si vous voulez beaucoup plus de détails sur ce que j'ai évoqué, foncez sur ce bouquin de Pix & Love. Hop, on continue. Deuxième truc, c'est The Art of Grasshopper Manufacture. Désolé, je regarde mon retour en même temps. Donc là, du coup, c'est un artbook, comme son nom l'indique. Il fait bien son taf d'artbook avec beaucoup d'art, forcément. Il y a aussi quelques petites informations de développement en cours de route. C'est un bouquin qui se trouve à pas bien cher. Je crois que je l'ai payé une vingtaine d'euros et c'est une petite mine d'or si vous êtes fan de Suda et de Grasshopper. Donc voilà, The Art of Grasshopper Manufacture. Je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode de la bibliothèque ou pour d'autres contenus vidéo ou audio. Portez-vous bien et du coup, bah, très bientôt pour plus de Merugezu.
Salut.